Ne le quittez pas des yeux, attention, ça va très très vite. Pour leurs 40 ans, l'entreprise Roguet, située à Bonne-sur-Ménage, a fait le grand plongeon. Regardez, cet homme va s'élancer à 25 mètres de haut dans une toute petite piscine. Magnifique ! Une performance qui résume bien là la réussite d'une entreprise familiale. Oui, mais j'y ai toujours cru, j'ai toujours été un militant enragé de la profession. J'étais le cinquième du département en paysagiste, alors qu'aujourd'hui il y a 650 paysagistes en Haute-Savoie, déclarés à la MSA. Ce qui veut dire que c'est un métier qui attire, c'est ça ? C'est un métier qui attire et puis qu'un métier nouveau, quoi. Mais quand j'ai démarré au cinquième, il n'y avait pas beaucoup. Il fallait déjà y croire pour le faire. Alors, Roguet, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes à la fois paysagiste, pisciniste, vous n'arrêtez plus. Ah, pourquoi je suis pisciniste ? Parce que j'ai toujours eu le béguin de la piscine. J'ai toujours aimé la piscine. Alors, étant entrepreneur paysagiste, et les gens qui avaient des piscines chez nos gros clients, et moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille entretenir ces piscines. Et ça a commencé comme ça. Puis, comme j'ai toujours aimé la piscine, ben voilà pourquoi on est en piscine. Ceci explique pourquoi la présence de ces plongeurs. Mais cet anniversaire fut aussi l'occasion pour l'entreprise Roguet de donner ses perspectives d'avenir. Là, c'est la nouvelle génération qui a pris le relais. L'avenir de Roguet, c'est pérenniser son personnel, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça, surtout dans notre région avec la Suisse frontalière. Et puis, c'est également investir dans du matériel, renouveler notre matériel, investir dans notre magasin de Saint-Sergue, notre showroom magasin piscine, et puis également renouveler nos bâtiments de bureaux pour être un peu plus éco-responsables avec chauffage au bois déchiqueté, etc. Chez Roguet, la relève est déjà là.